Et salut tout le monde! Salut Apex! Comment vas-tu? On se met en jeu tout de suite, on a plein de choses à faire et évidemment quand je me mets en jeu, je me rends compte que la caméra est complètement buggée. Alors, et si on essaye un petit peu voir qu'on la réactive? Non? Alors, on va aller vérifier. Attention, réglage technique de professionnel. Alors, c'est pas le bon bouton. On va vérifier ici. Ok. Alors, ça, c'est tout bon. Alors, si je fais ça. Non, pas ça. Ça. Et que ensuite, je fais ça. Et ça. Voilà. Et maintenant. Brrr. Et voilà. Salut tout le monde. Alright. Bon. Alors, ouais, on a plein de choses à faire aujourd'hui sur Siopolis. J'espère qu'on va avoir le temps de faire... Bon, on n'aura certainement pas le temps de tout faire. Mais... On va avancer. Comment vas-tu, Apex? Ça se passe bien le mois d'août? Alors... J'ai mis plein de choses sur le côté. La dernière fois, je ne sais plus si on l'avait regardé ensemble, mais... J'avais commencé à regarder un peu les affaires de Supremium, Gemstone, etc. etc. L'idée, c'est que... essence... C'est ça. J'ai plein d'insanium. Ah, puis il y a plein de graines. Ah ouais, on va se... Attends. Ingot, je vais juste... Parce que ça me sert de pense-bête, en fait. On va se mettre le... Il est où l'Infinity Ingot? Il n'y a pas un Infinity Ingot quelque part qui se... Ultimate... Ultimate Singularity, non. What? The Ultimate Ingot. Ouais, c'est celui-là qu'on veut. Alors lui, on va se le mettre ici parce qu'on va regarder. Tu regardes ou tu fais du GTA 5 RP? Parce que regarder, c'est le fun. Jouer, c'est une autre paire de manches, I guess. Il y a plein de choses à faire. Oh la vache, je me... Rien que d'y penser, là j'ai un peu le vertige avec tout ça. On va vouloir se débarrasser un peu, on va vouloir faire un petit peu de déco. On va vouloir faire un peu tout ça, et voilà. Alors, on va essayer de commencer par le début. Ce que j'aimerais faire, c'est ça. Allez, la Supreme, on est en plein braquage d'épicerie. Ah, bah bravo, bravo. Alors, je te laisse braquer en paix, alors. Ok, alors on va prendre notre pattern grid et on va... chest plate. Hop là, ici. Let's go. Alors là, on va se mettre du son avant toute chose. Oh bon, 80, parfait. Ok, let's go. Alors, ça, ensuite, on a besoin également de ça. Hop. On a besoin de ça. On a besoin de ça d'ailleurs. Hop. Et ça, le Prosperity Ingot, je crois que je sais pas le faire non plus. Vérifions. Vérifions, on a dit. Prosperity Ingot. Non, on l'a pas. Ok, on a besoin de tout ça. Donc ça, c'est bon. Ensuite, let's go. Non, pardon. Yeah, tac. Alors ça, ça range ici et ici, let's go. Attends, what? J'ai combien de Prosperity Ingot là? Deux fois, hein, c'est ça. Voyons. Alright, alors ici, on recommence. Tac, tac, voilà. Ensuite, ça, c'est bon. Ça, Imperium. Ça. Ok, ensuite. Ça. Ok, ça, Tertium.
Ok, et on continue. Prudentium, on a presque fini. Le petit gemstone, parfait. Et enfin, on s'en va vers la Inferium. La Inferium, elle se fait comme ceci. Avec l'Inferium comme cela. Avec comme ceci. Ok, alors et ici, et il nous faut évidemment, dernière chose, la Diamond Chest Plate, tant qu'à ça, on va la prendre ici. Et salut Mystic Wolf, comment vas-tu? Excuse-moi, j'étais très très concentré sur les crafts que j'étais en train de faire. Pour essayer de pas me perdre. Ok, on a fait le chest plate. On va maintenant se faire le Supremium Helmet. Et là, ça va aller un peu plus vite, puisqu'on a juste, besoin de se crafter, de prendre les crafts de ces trucs-là. Hop. 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 Et hop. Alors déjà, on va mettre tout ça. Ouais. Comme ça, en paquet, hein, parce qu'on sait pas trop. Ah la vache, il va falloir que je me refasse un autre crafter. Et donc, le Supremium Helmet est bon. Le Leggings, let's go. Parfait. Le bleu. Parfait. Le orange. Parfait. Le vert. Parfait. Ça va bien, merci. Un peu chaud, mais ça va. Tadam. Brr, brr. Hop là. Ensuite, on revient. Ah merde, les boots. Supremium. On va reprendre les boots ici. Let's go. Tac. Ah, je sais pas si j'ai fait les jambes en... Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai tout fait. Parfait. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Et on va se faire d'ailleurs la sword, tant qu'à ça. Comme ça, on aura... notre set. D'ailleurs, on pourra peut-être regarder pour la Pikex. Je sais pas si elle vaut le coup. Bon, en tout cas, c'est pas grave. On va commencer déjà par se faire la sword. On verra pour la Pikex si on la veut réellement ou pas. Tadam. Eh, je vous jure, les camions, là. Il manque qu'on puisse fermer les fenêtres, hein. Parfait. Et là... Eh bien, non. Eh bien, non, ça ne passera pas. Damn it. Damn it. On va... temporairement retirer ça juste pour pouvoir ajouter ça là. Et je vais mettre alors j'ai le crafter de base, je crois, hein. Oui, c'est ça. Donc usage, alors non, ça c'est les patterns. Ok, crafter, voilà. Donc là on a le crafter de base, non, crafter de base ici. Ensuite, moi je veux le crafter de type iron. Hop, alors attends, on va le prendre ici. Hop. Crafter de type iron. Ensuite, de type gold et de type diamond et de type netherite et netherite
comme ceci. Pattern. J'ai fait ça et ça, il sait faire des netherite. Non, il sait pas faire les netherite. Let's go. Comme ceci. Donc là, si je fais ça, ça et ça, et autant que ça, 8, voilà. Normalement, si je te demande un crafter de type netherite, let's go. Et le crafter, est-ce que je peux lui donner des choses? Oui, je peux lui donner des speed upgrade. Je peux lui en donner 4. Et il va être pas mal. Alors, je vais le mettre où? Je vais le mettre à côté. Ou je vais peut-être le mettre là. Ça change pas grand-chose, à vrai dire. Hop. Crafter, netherite, speed. 4, let's go. Et donc, non, je pense que je vais le mettre comme ça. Oh, d'accord, super. Parfait. Et tac, merci. Ça fait que maintenant... Chut. Merci bien. Là, on a du stock pour les crafts. On a de quoi en remettre quelques autres. C'est-à-dire que maintenant, Supremium, j'ai besoin... de l'épée. Voilà. J'ai besoin d'un froc. J'ai besoin d'un helmet. J'ai besoin d'un chestplate. Et j'ai besoin des boots. Bra. Voilà. Nous avons l'équipement Supremium. Easy peasy. Genre super simple. Alors, ça veut dire quoi? Alors d'ailleurs, ça fait qu'on peut virer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir se servir de tout ça. Alors, maintenant, avec Mystical, il y a des augmentes qu'on va pouvoir rajouter. Alors, évidemment, celui qui m'intéresse le plus, c'est Flight. Ça, c'est certain. Strength, ça m'intéresse. Health Boost, ça m'intéresse. Et Night Vision, je pense qu'il y a un Night Vision qui doit traîner par là. Water Breathing... Éventuellement, ah, et puis il me faut la Tinkering Table. Tinkering Table, easy peasy, si je ne m'abuse. Voilà. Tinkering Table. Il va falloir que je me fasse un vrai spot. Ah, quoi que, ici, je suis quand même pas mal. Et ici. Alors, ici, j'ai une augmente. Ici, j'ai une augmente. Ici, j'ai une augmente. Et ici, j'ai une augmente. Et ici, j'ai une augmente. En fait, j'ai le droit à une augmente dans chaque. Et là, moi, j'en ai mis 1, 2, 3, 4. Et il me reste une possibilité. Alors, parce que Water Breathing, c'est ça, les deux sont en helmet. Donc, ce sera le Water Breathing, d'après moi. Jump Boost, non. Speed. Speed, je pense pas en avoir envie. Parce que Speed... À partir du moment où je vais avoir le fly, je pense que je vais être toujours sur le fly, donc step assist, non, jump boost, non. Ah, no fall damage. C'est boost sur les boots. Ça peut m'intéresser, dans ce cas-là, je prendrai pas le lucky horseshoe. Donc ça serait le froc. Health boost froc, no fall damage ici. Pas mal ça. Wow, ah non, absorption. Ah, j'ai absorption aussi. Ok, fait que non. Pas le no-fall. Ok, voilà, ça c'est ce qu'on veut. Ça veut dire qu'il va nous falloir... ça. Non, pas ça. Pas en tout. Ça. Ça va nous falloir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Ensuite... On commence avec le fly. Le fly, c'est mon premier. Donc, il me faut 4 Nether Star. Ah. Essence. Ça, c'est bon. Et Star. Star. Star, on va y arriver. 4 Nether Star. Ça, c'est bon. Easy.
Ensuite, donc let's go. Bah, ça c'est facile. J'en mets une ici. Hop. Deux, trois et quatre. Et let's go. Fly boost. Et on va pouvoir dire bye bye. Ouais, fly. Ouais, c'était le premier que j'ai cherché. Alors, on va pouvoir dire bye bye à notre bon vieux jetpack. Parce que maintenant, on a le fly créa. YOLO. Et ça, c'est de la balle. Ok, fait que ça c'est cool, ça va bien. Vite pour jeter un œil là-dedans. Ok, fait que ça c'est bon. Ensuite, alors il faudra qu'on mette les bons enchants après. Ensuite, genre le Feather Falling, je pourrais l'enlever en vrai. Je vais même plus en avoir besoin puisque j'aurai déjà mon. Je vais essayer d'avoir le Horseshoe. Ok, donc next. Donc fly il est bon. Strength c'est 3, donc il faut que j'ai, alors diamond sword, 2 diamond sword, 4 blocs of quartz, ok, 2 iron et 2 iron encore, donc 4 iron sword, 2 diamond, tertium, imperium et supremium, ok, donc sword, hop, alors 1, 2, 3, 4, cancel, diamond sword, 2, merci, voilà, on a dit quartz, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ça c'est bon, et on a dit essence, hop là, essence, on a besoin donc de, hop, merde. 1, parfait. Ok, 1, 2, 3, 4. Ensuite, hop, merde. Tac, parfait. Parfait. Et ensuite, du supremium. Parfait. Donc, let's go. On va en profiter d'ailleurs. Let's go, tech, parfait. Et ensuite, in. Et me. Ok. La deuxième ici, les blocs de quartz. Attends, il faut que j'enlève mes cochonneries. Parfait, j'ai bien le niveau 1. Hop, 1, 2. Hop. Ça, c'est tout bon. Niveau 2. Alors mon épée là, elle fait 24 de dégâts versus la mienne qui en fait 16. Enfin 17 en réalité, mais... Ah non, raté. Hop, parfait. Deux épées et deux supremium. Et on a notre strength 3. Voilà, alors hop, c'est ici que ça se passe. Ici, je mets mon épée, je lui donne strength et je passe à 44. Ça, lui, l'épée. Et je vais pouvoir la mettre, l'épée, je vais pouvoir lui mettre des boosts et tout, mais là, ça va envoyer du pâté, comme on dit. Ensuite, donc là, ça c'était strength. On va pouvoir se faire le health boost. Health boost. J'ai 5 niveaux de health boost à faire. Ok, donc 5 fois des Wither, Skeleton Skull, 5 fois 2, 10, hein, on va pas en avoir besoin de plus que ça. OP, ouais, c'est clair, c'est trop violent ce truc-là. Health Boost, on a tous les niveaux. Essence. Alors attends, j'en ai avoir besoin parce que, hop, ça... C'est vert et ça, c'est ça. Donc ici, 16, non, pardon. Attends, parce que ça n'a pas marché en vrai. En vrai, je vais avoir besoin de faire ça. Tac, hop,
1, 2, voilà, parfait, ça c'est bon. Ensuite, des verres. Tac, tac, parfait, j'ai mes verres. Non, même en plus, de verres. 2, 3, 4. Voilà, là j'ai de quoi faire mes 3 derniers. Ok. Ensuite, orange. Tac, parfait. Bleu. Parfait. Ok, et les rouges, évidemment. 10. Hop. Ok, ça c'est tout bon. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut. Ensuite, Night Vision, donc il nous faut des Golden Carrots. 1, 2. Évidemment 4. Hein. Carottes. 3, 4, parfait. On va commencer avec ça déjà. Ça va nous finir le gousin. Pif et bam, voilà, ça c'est good. Hop, Night Vision, celui-là il va aller avec notre petit helmet. Voilà, ce qui fait que maintenant, bowling, j'ai toujours Night Vision sur moi, ce qui est plutôt sympathique. Alors, toutes mes pièces d'armure, alors le jetpack je peux le virer par exemple, mais mes pièces d'armure je vais les garder. Parce que on va enlever les enchantes que j'ai là. Hein, ce que je disais tout à l'heure. Et déjà, donc Night Vision, c'est bon. La table, je peux la dire aussi. Health Boost, pièce Absorption. Health Boost, Golden Apple, Golden Apple, Golden Apple, Golden Apple et Golden Apple. Donc 5 fois le 10, Golden Apple. Apple. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Et d'ailleurs en même temps ça on peut faire on va mettre ça propre. Hop. Et l'autre c'est quoi? Absorption. Golden Apple, Golden Apple. Ok d'accord. 4 fois 5, 20. Hop. Voilà. Donc là, 2, 3, 4. Ah merde. Parfait. Je fais nappe. Hein. Il veut la manger, hein, la pomme. Hein. Allez, on est presque arrivé. Là, déjà avec ça, là. Paf, allez. Alors on aura dépensé beaucoup d'essence, mais comme je les ferme violent les Insanium avec, avec ça là-bas, bah ça va. Et on a absorption 5. Absorption 5 qu'on peut mettre par exemple sur le futal. Voilà, donc là le futal, si je le mets ici, j'ai absorption 5, c'est-à-dire j'ai 10 cœurs d'absorption en plus. Il nous reste maintenant à attaquer le dernier. Hop, 1, 2. Et ça, c'est Health Boost. Let's go. Hop, hop. Fait. Raté, évidemment. Sinon, c'est pas drôle.
les bleus. Là, t'es OP là, ouais, ça va être assez violent en vrai. Et c'est ça l'idée, hein, c'est de se mettre bien. Parce qu'il y a des, y a des boss là qui vont faire bien mal. Puis bon, si on peut... Ah, misclick. Ah, double misclick. Voilà, voilà, la concentration ou la précipitation, ça dépend. Surtout la précipitation, je pense que je suis quand même assez concentré sur ce que je fais, mais c'est juste, j'essaie d'aller trop vite. Et là, les boots, elles vont avoir un bel augmente. Bim! Et bam! Et là, pouya! Et là, mes cœurs, ils vont monter, voilà. Impeccable. Donc là, on a mis tous les augmentes qu'on peut mettre. Il va nous rester à enchanter tout ça. Alors... on va aller au niveau de la ferme. Voilà. Au niveau de la ferme. Moi, je veux désenchanter tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'armure de Supremium, elle est unbreakable. Donc, moi, j'ai besoin de ça. Ça, je m'en fous. Et est-ce que le tombstone... alors, le tombstone, par contre, ça m'intéresse. Donc, le chestplate. Merci, bonsoir. Ça aussi, on peut virer. Ça, je peux commencer à mettre. Et dans l'idée... ça, c'était quoi? C'était chestplate, hein, let's go. 2. Et 7. Bim. Voilà, ça va être bon. Ici. Break, mending, on vire. À quoi respiration? Ça va nous intéresser. P4, évidemment, ça nous intéresse. Et... j'ai plus de book. Ah, book. Moi des book. Pas de problème. Tac, tac, tac. Ça c'est bon. Hop, ça je peux virer. Et ça c'était quoi? C'était le helmet. Donc là j'ai un beau helmet avec night vision, respiration, protection, kataqua, tombstone. Et ça c'est bien, c'est-à-dire que je vais pas le perdre. Les boots, enfin le futal. Le futal il a P4, c'est ça qui m'intéressait. Et lui... ça on peut virer, ça oui, et ça on peut virer, P4 ou tombstone, ah j'ai déjà plus de, oh la vache. Pif, paf, merci. Et les shoes, on peut les attendre tranquillement. Alors handbrake, on s'en fout, projectile, oui. Mending, on s'en fout. Fade of Falling, on s'en fout. Voilà, ça, on vient. Fade of Falling, on va s'arranger pour l'avoir éventuellement. Et le Death Strider. Les deux coûtent le même prix. Health Boost. Protection, Tombstone, machin, tout ça. Ok. Paf, ok. Donc là, je suis full équipé là-dessus. Alors, pour l'épée, je veux Sharpness. Sharpness 4. Et Sharpness 4. Alors ça, bim. Voilà, ça en vire. Ça je vais dire, ok, sharp 4, 2 sharp 4, let's go. Ah, j'ai pas assez d'XP, évidemment. Sharp 5, ok. Ensuite, je veux sweeping edge. Est-ce que j'ai du sweeping edge? Sweeping edge 3. Parfait.
C'est ce qui nous intéresse. Ensuite, on veut looting 3. En fait, celui-là, je peux le virer. On va prendre ceux de cette armure, de cette épée là. Spinach 3. Et Smite non. Et looting, parfait. Alors, sans vire. Looting, sharp, sweeping edge. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non, pardon. Usage, enchantment. Alors, vanishing, non, sharp, ban, fire aspect. Pas vraiment. Knockback, smite, sweeping edge. Alors, ça me paraît pas mal comme ça. Let's go. Ok. Ok. Ça a l'air d'être à peu près toujours la même chose. 9. Là, on va devoir pomper un petit peu d'XP encore. 24. Et voilà, là on a une belle épée qui fait un peu de dégâts. On est à 47 d'attaque damage. Là c'est pas mal. On a fait un peu de place dans l'inventaire. On a l'arc ici qu'il faudra qu'on regarde un peu éventuellement. Mais là on commence à faire du gros dégâts sur le méchant. Ok, fait que ça c'est bon. On va d'ailleurs en profiter pour refermer ce qui ne nous intéresse pas ici partout. Ça c'est bon. Ah non, pas du tout. Il reste Aren't You Glad. Ça c'est bon. Serious Power, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. On est déjà pas trop mal. Alors, le Nether, j'ai été vérifié pour l'affaire. Non, alors c'est pas le Nether. C'est-tu le Nether? Oui, c'est ça, c'est le CC5. Ça là. J'ai été vérifié et ça se trouve, hein. Ça se trouve dans les bastions, j'ai juste pas eu de bol. Donc on réessayera. On réessayera, ça devrait fonctionner. Puis en plus c'est une upgrade, mais ça on s'en fiche. L'End, bah, il nous restera le Void Master. Bah, ça c'est justement pour lui qu'on s'équipe un peu, parce que sinon on va se faire péter la gueule. Ça en vrai on peut le finir. En fait on va le finir tout de suite puisqu'on va tester notre armure, et je vais en profiter avant d'y aller pour merde RF Tools Matter Receiver, parfait, on va faire ça Machine Flame, ça se fait comme ceci avec des simple machine. Ok, d'accord, alors j'avais oublié. Est-ce que je sais faire des petits Machine Flame, moi? Je sais faire des Pity Machine Frame. Est-ce que je lui ai appris à faire? Oui, Pity Machine Frame, ça sait faire. Ok, ça là, il faut qu'on le... Il faut qu'on le setup. Est-ce qu'on le fait maintenant ou tout de suite? Je pense qu'on va le faire tout de suite. C'est notre prochain truc. Après, on fera les matériaux ici. Allez, on est parti. Ça, sur la texte là, d'ailleurs, il faut que j'automatise. Oh là 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 là. Ça veut dire alors... Oui, on en a deux, ouais, 22 buckets, ça devrait être pas mal. Arboreal, ça je vais me le garder quelque part, parce que... Voilà, je vais m'en mettre quelque part, il faut que je le récupère. Ça c'est dégueulasse, va falloir que je le remette en place à un moment donné. Big Machine, c'est pas là, on le sait. YOLO. Voilà, les machines c'est ici. Alors les machines c'est ici et si je ne m'abuse, je pense qu'on pourrait les mettre ici directement, les chambers, avec des connecteurs qui vont bien. Donc lui, il va avoir un connecteur qui va lui pousser du latex et de l'énergie. Est-ce que j'ai des connecteurs? XNET. Advanced Green Connector. Parfait, merci. Cable. Parfait. Alors, un connecteur ici, un connecteur ici. J'aurai une deuxième machine en fait qui fonctionnera quand on aura du Pink Slime. Si je ne m'abuse. Alors, est-ce que...
Est-ce que j'ai besoin? Non, mais j'ai pas besoin pour lui. C'est pas la même chose. C'est parce que lui, là, les machines de mecha, c'est la merde. Mais ça, c'est pas la merde en réalité. Donc. Donc, on va pouvoir fonctionner un peu différemment. Donc, ça, c'est bon. Si je vais ici. Alors, ah oui, tiens, ça, je vais essayer. Ça, c'est insert, CTRL-C. C'est bien ce que je pensais. On peut faire CTRL-C, CTRL-V pour les configurations. Ça, je ne le savais pas auparavant. Mais maintenant, je le sais. CTRL-C, CTRL-V. Et on va avoir ici Fluid, Create. Et ici, ça va être... ici, Create. Et ça, ça va être une insertion de Fluid. Et en fait, on ira éventuellement... Ah ok d'accord oui c'est ça. On ira éventuellement chercher du latex en fait qui viendra probablement dans un voyons dans un Ender Tank qui viendra donc ici. En attendant avec ça je devrais avoir donc maintenant de l'énergie. Et je vais pouvoir faire ça. Ce qu'on va faire temporairement, en fait, c'est que... et bien, temporairement, on va mettre notre latex... Est-ce que je le mettrai pas... Est-ce que... Attends, où est-ce qu'ils sont mes connecteurs? Les connecteurs... Connecteur, connecteur, ok. Est-ce que je mettrais pas un connecteur, bon, un chest, un tank ici, tout simplement avec un connecteur. On va mettre ça comme ça pour l'instant, avec un green connector ici. Et en fait, c'est ça qui va se passer, c'est que il est où mon tank? Il est là. Et donc lui, il va être en extraction. Et donc l'autre en extraction, c'est-à-dire que lui, voilà, il s'est vidé, il se vide, voilà, et il s'en va dans notre dissolution chamber. Donc ça c'est correct. Là on a un système de dissolution chamber qui fonctionne. On va lui mettre un crafter de type 1 parce que j'aurais pas besoin de milliers de crafts. Puis si besoin au pire, je le changerai. Hop. Tac, alors évidemment, ça roule pas comme je veux. La wrench, hop, hop, parfait. Et alors ça c'est quoi? Ah oui, c'est Xnet, comment ça s'appelle cette affaire-là là Xnet. Hop, Fluxblock, non. Façade, ah. Facade, j'ai pas de facade. J'ai plus de facade. Ah si, ils sont là mes facades. Ah puis ils sont là mes trucs là de Xnet. Ah quel boulet. J'ai pas fait gaffe moi. Alors. Play. Bim. Et ici, eh bien ce sera la même chose pour avoir notre façade ici. Et d'ailleurs, profitons-en. Pour installer des facades jusque là au moins pour ça ça va être un peu plus propre donc ça c'est bon normalement l'autre il va extraire et input normalement j'ai aucun problème avec ça ça devrait rentrer tout seul et d'ailleurs laboratory block voilà vire moi ça voilà. F7, j'ai pas de problème de... Non, c'est ça. Pourquoi... si, ici, si, j'ai un problème. Attends, ce qu'on va faire. Temporairement, paf, voilà. Ah, parce que j'ai décidé que je mettrais peut-être des machines ici. Ouais. Ok, peut-être. Peut-être. C'est fine, I guess.
Donc là, c'est bon, j'ai ça. Et théoriquement, eh bien, le premier pattern qu'on va faire... Pardon. Aller trop vite, sinon on embarque dans le... Dans le fly créa. Le premier pattern qu'on va faire, c'est ça. C'est donc ce simple machine. Donc ici, 1, 2... De plastique, un hydraulique, un objet, c'est ça, bah c'est tout ça. Et ça, si je le mets dans la machine qui s'appelle Dissolution Chamber, est-ce que ça a fonctionné? Donc théoriquement, si maintenant je te demande une simple machine frame, je t'en demande deux en réalité. Deux? Oui, c'est deux. Pardon. Au palais. Si je t'en demande deux. Alors, tu sais pas faire du bronze. Ah, ah, tu peux faire du bronze, c'est quand même un peu con, ça. Hop. Fais-moi du bronze. Avec 9000 de bronze, on devrait être largement correct. Ça, on peut virer. Simple machine frame, fais-moi en deux, parfait. Et là, il te manque... Ah, il te manque du latex. Ok. Et qu'on va en faire une. Non, c'est juste que ma recette demande du latex à tes souhaits. Merci. Ma recette ici inclut du latex, sauf que... alors, merde, je sais même plus comment ça fonctionne déjà. Comment je fais pour vérifier déjà les fluides? Ah oui, c'est ça, type fluide, ça je le vire, voilà, et voilà, là je reviens sur mon affaire. Ok, et donc là maintenant si je reviens sur ma dissolution chamber, il va plus me dire j'ai des problèmes d'atex, et ça devrait aller correctement. Donc recommençons, ici, simple, que je t'en demande deux, voilà, là on est prêt à start, let's go. Et normalement, ça devrait fonctionner comme sur des roulettes. Sauf s'il y a de la merde. Non! Ça a l'air d'être correct. C'est bon. Ah, il y en a une qui est rentrée et il y en a deux qui sont rentrées. Bim! Voilà, bah ça c'est automatisé. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que maintenant, je peux faire ceci. Et je peux faire ceci. Ah, des shards, ça, des shards. Ça, va falloir que je les mette dans le pulvé. Ouais, ça, on va y venir. Attends. Hop, 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 hop. Ah, tu veux pas? Attends, c'est quoi? C'est... C'est quoi? C'est CTRL clic, SHIFT clic. Ah. Ah, je sais plus. Anyway, ça c'est pas trop grave. On peut déjà mettre ça ici. Et les shards. Bah les shards, on va s'en occuper tout de suite. Chest. Un under chest ici. Et il faut que je me rappelle c'est lequel qui rentre. Je crois qu'il n'y en a pas qui rentrent. C'est possible qu'il n'y en ait pas qui rentrent. Ça, c'est tous ceux qui sortent. Ça se peut que j'ai pas mis de chest qui rentre. Non, je pense que j'en ai pas qui rentrent. En réalité, j'ai ceux-là qui envoient direct dans les trucs là. On voit ici, hein, ça c'est les blancs. Merde. Ah. Ça c'est les blancs. J'ai celui de la ferme à meubles qui envoie je sais plus où. D'ailleurs les vaches. Alors qu'on fasse des choses les amis, là ça pas. Tas de merde là-dedans. Ça on va le virer. On va virer tout ça. On va mettre un truc propre ici. Les animaux.
On s'en débarrassera à un moment donné. Ça a pu être pas possible. Et le reste... Ok, et c'est ça que je veux. Alors ça, on va se faire un insert. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme couleur pour insert? Déjà, importer. Hop, voilà. Hop, stack. Parfait. Speed. Je crois que c'est ça. Parfait. Et on va mettre ça ici. Ici, on va mettre un chest. Attends, on peut les... Chest. Est-ce qu'on dit que bleu c'est importé? Ça va être pas mal. Die. Quelle couleur je mets? Je sais pas. Noir. Ok, go pour noir. Hop. Parfait. Je vais faire gaffe de pas tout péter. Voilà. Et ici, paf, importer, un stack, 3 speed. Parfait. Parce que l'autre possibilité, ce serait de l'envoyer direct dans des chests. Enfin, dans des trucs comme ça. Sauf que là, j'ai plus de place. Donc, on va laisser faire. On va mettre ça plutôt dans... dans Refine. De toute façon, ça va pas hyper vite pour ça. Et comme ça, je pourrais récupérer tout le bousin. Alors, évidemment, ça fait un peu de cochonnerie. Attends, on va ranger la wrench. On va ranger. Dans le fond, tout ça, je m'en fous. Tac. Ouf. En fait. Parfait. Tac et tac et... Et ici, let's go dans l'under chest. Et c'est tout bon. Il n'y a plus rien qui traîne. Impeccable. Donc maintenant, shard. Voilà, j'ai Dimensional Shard. Ça, c'est bon. Et donc, si je remonte, c'est-tu là? Oui, c'est là. Parfait. On a un pulvé. Et qui n'a aucune... item ici. Alors, ici, on va être en... Input. Output. Et ça, c'est bon. Il a pas aimé le PC. Non, non, il a... Il... Bah, en fait, c'est pas le PC. C'est le modpack, en réalité. Parce que le PC, il... Le PC, aucun problème, mais le modpack par contre, il a un peu trop d'items. Alors en vrai, les configurations... Si, les configurations, faut que je les mette quand même. Mais les auto-in-out, normalement, ça devrait pas être problématique. Et en vrai, je me demande même si... est-ce que là... Je regarde, c'est ça. Et ici, ah, ici j'ai... Oui, si j'ai mis tous les augmentes pour lui, j'ai mis tous les augmentes pour lui. Pour lui aussi, et pour lui aussi, ça c'est tout beau. Et lui, on s'en fout. Parce que l'encapsulator, j'en ai pas vraiment... J'en aurais peut-être besoin plusieurs éventuellement, mais pour l'instant, on s'en fout. Alors, si on revient à notre Dimensional Shard, ici, paf. Non, pardon. Usage, comme ceci. Mais pourquoi un shard? T'es sérieux? Les shards ne rentrent pas dans... Sérieux ?
Ah, c'est peut-être un bug graphique, par exemple. C'est ça. C'est un bug graphique. Deux dimensional shard, puis un gravel. Ah, c'est du basalt powder. Mais le problème, c'est que là, il me l'affiche pas bien. C'est pas celui-là que je veux. Je veux un... Tu veux pas m'enlever tout ce côté-là? Puis dire que ça marche? Non, si tu veux pas. Hein. Et là, il n'y a pas moyen de le faire autrement, ce truc-là, en plus. Hein. Bon, si je fais ça... Et que je le mets dans mon pulvé. Est-ce que ça va faire la même merde ou est-ce que ça va être correct? Ouais, ça, il y a vraiment un problème de fonctionnement avec ce truc-là. Ok, si je demande des shards, si je t'en demande 64. Hop. Alors, ça n'extrait pas. Pourquoi ça n'extrait pas? Alors, je suis pas allé du bon côté. YOLO. Pourquoi ça n'extrait pas? Pulvé. Out. Pulvériseur. Ah bah oui. Voilà. Voilà, puis j'ai du flint, et éventuellement, bah en fait, on aura toujours du flint, parce qu'il n'aura pas tout utilisé. À la limite, on s'en balèque. Iron. Je regarde un petit peu comment il est placé, mon iron. J'ai des iron ore chunk qu'on peut gentiment passer dans le enriching. Bra, 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 bra. Iron, ça m'en fait plein. Tac, tac. Parfait, smelting. Ça nous fera un peu de fer en stock. Toujours bien pratique. Compte tenu des quantités dont on a besoin. Fait que ça, c'est correct. On a automatisé les Dimensional Shards. Ça fait que maintenant, si je retourne ici, que je vais manipuler mon receiver. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait oui, le Infuser Infused. C'est ça, ça j'ai fait. Donc, techniquement, lui, c'est ça. Je peux tout faire. Donc, on va faire ça. Parfait, je le place ici. Et donc maintenant, si je te demande des receivers. Receiver, j'en ai besoin. Alors j'en ai un. J'en ai besoin de un pour ici. J'en ai besoin de un pour le Nether, un pour le Twilight et un pour l'End. Et... Est-ce qu'il y a de l'endgame? Ouais, 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 il y a un peu d'endgame. Je vais te montrer, ça rapidement. Je réfléchis, est-ce que j'ai besoin d'autres choses? Je pense qu'on est correct avec ça. Hop. Donc lui, il est en train de process 28 shards. Attends, hop, je vais le cancel. Je pense qu'il va être comme ça. Correct. En train de crafter tout le reste. Ça a l'air d'être bien correct. Et... Alright, si je regarde, receiver, receiver, j'en ai deux ici, et chez mes trois, en fait, j'en avais besoin de quatre en tout, c'est ça, c'est parfait. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici, le receiver, puisque
Alors, oh, un peu chier ça. Ça va dépasser. Ah non, ça c'était nul. Alors, attention. Attention. Parfait. Oh la vache. Apprends à poser tes blocs, merci. 1, 2, 3. Si je me mets ici, je suis au bord. Non. Ici, je suis au bord. Ok, donc le receiver, on va le mettre ici. Point. Hop, et là on est tout bon. Ça veut dire que ça, ça va être correct. D'ailleurs, ça me fait penser que voilà, j'ai mon advanced. Alors lui, je vais l'appeler home. Public. Hop, il s'appelle home. Il est en train de se charger. Je l'ai rajouté. Ça veut dire que là, il est ici et c'est parfait. Alors, l'endgame, avant qu'on passe à autre chose, l'endgame, on a The Endgame. Ça y est, on a même un chapitre qui s'appelle The Endgame. Et donc c'est Extended Crafting, donc pour atteindre toutes les étapes de Extended Crafting, pour arriver à l'Ultimate Crafting Table, avec les compresseurs pour avoir des singularities. Si on regarde un petit peu, plein de singularities, donc de plein de matériaux. Et on a l'Ultimate Ingot qui se fait aussi avec plein de matériaux, qu'on va pouvoir regarder. D'ailleurs, il faudrait que je regarde... tous les matériaux nécessaires, parce qu'on va peut-être avoir besoin de se les slacker à un moment donné. Luminescence, on s'en fout. Et après, donc dans les challenges, on va avoir les créatives, donc le Creative Ability, Creative Storage Disk, Creative Paste Container, Creative Controller, Creative Power Input Plug, Infinity Pipe Upgrade, Creative Fluid Storage Disk. Bref, avec des crafts en Creative Essence qui me demande un Singularity puis un Ingot. Donc ici, par exemple, là, il m'en faut 5 pour avoir ça. Il me faut une pour avoir ça, 5, 1, 6. Ici, 6 et 5, 11. Et je suis allé trop vite. 11 et 8, 19. 19 et 8, 27. 27 et 1, 28. 28 et 5, 32, 33 pardon, 34, il me faut 34 Ultimate Ingot et 34 Singularity. Sauf que je me demande si il existe un craft pour le Creative Fluid Tank. Bah déjà, attends, Ultimate, ok, non, l'Ultimate Ingot, il ok, non, il n'y a pas de liquide pour l'ultimate. Ah, est-ce que j'ai des mecha? On peut avoir du molten, de plein de trucs. Est-ce qu'on a un craft pour le creative fluid tank? Non, il n'y a pas de craft pour le creative fluid tank. Donc, on ne peut pas faire la petite passe de ce qu'on avait fait avec Enigmatica. Il n'y a pas la comment ça s'appelle, la wand d'Erebus qui permet de animation animal rancher animal whatever. Non, c'est ça marche pas. Et voilà, donc on n'a pas moyen de dupliquer nos trucs, donc on va y aller à la mano, à l'ancienne, avec ces trucs là. Donc on a dit combien, 32, 35, 38, je sais plus, je m'en rappelle déjà plus. En tout cas, alors, ce qu'on vient de faire, on va aller dans le nether. Attends, hop, avant ça. Non, en vrai, je m'en fous parce que maintenant j'ai la petite dimension card, ça fait que je m'en fous. 3 points, voilà, merci. Et on s'en va là-dedans. L'idée, c'est de se débarrasser des portails.
pour gagner un petit peu de temps. Voilà, alors là, là, tout le monde, barrez-vous. Voilà. Aïe, j'ai même pas eu mal. Ah si, j'ai eu un demi-cœur d'absorption. Oh. Une tristitude. Poum, merci et bonsoir, dégagez. Salut les gars, salut, bonjour. Hello. Hello. Ah là là. Tellement facile. Ok. Ah non, mais vous êtes sérieux? Tac, sauf que je virais aussi. On va bah virer notre portail. T'es chiant toi? Un peu. Ah là là. Hop. Slab. Bim. Alors attends, avant de ça. Hop. Nether. Ok. Ensuite. Ça c'est tout bon. Et merci. Bonsoir. Ah, oh, je suis con, je vais. Tout ça ici. Déjà. Ça c'est bon. Alors ici, si je reviens, que je fais ça et que je fais ça, blam, merci. Donc on revient ici, pas de problème. Ici, on va remplacer l'obsidienne par par quoi d'ailleurs? Alors on a de la blackstone. On peut, à la limite, pour commencer, proposer de la blackstone. Tac. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Et d'ailleurs, ici. Voilà. Tac. Tac. Désolé, c'est un peu nul ça. Tac. Ouais, ça c'est nul aussi. Alors, j'ai plus de Blackstone. Renvoie de la Blackstone. Merci l'exploration des. Ouais, c'est pas trop mal. Et ça, évidemment. Le petit dernier ici. Clac, voilà. Hey, ça a un peu plus d'allure. Et ça, évidemment, le bois, on le changera bientôt. Quoi, tu les one-shot pas toujours? En fait, non, c'est quand je me rate dans mon... timing. En fait... T'as un rechargement de l'épée, puis si je tape avant que l'épée se recharge, bah, je fais pas le full dégât, puis avec pas le full dégât, je les one shot pas en fait. Voilà. Alors ça c'est bon pour le Nether Portal. Maintenant, deuxième portal qu'on va dont on va se débarrasser, c'est celui de la Twilight. On va se prendre un peu de dirt. Viteuf. Let's go. Alors. Ça. Voilà. Merci. Ici. Calme-toi. Alors, hop. Point. Merci. Renvoie mes points. Alors, un point avec, évidemment. Voilà. Et le petit receiver d'ailleurs. Ça on peut virer, ça on remet. Ici, non. Ici on va l'appeler Twilight Forest. Et ici, tac. Ici on retourne dans l'overworld. Et maintenant on peut s'en aller en direction. Ah non, attends, on va juste venir ici. Voilà. En vrai,
Jinx. Oupsie. Une chance que j'avais mis de la... Que j'avais de la... De la brique en dessous, parce que sinon j'aurais fait un peu plus de dégâts. Tadak, tadadam. Poussez-vous. Tant pis pour vous. Oh dieu. Oh yes, j'ai gagné un cœur. Ça c'est tout bon. Et let's go. Alors d'ailleurs, ça me fait penser que ça on peut virer. Et voilà, on avance. Ok. Donc, on a fini ça. On va maintenant pouvoir aller dans l'end. Pour aller dans l'end, il faut évidemment qu'on quitte par ici. Et si je me rappelle bien, l'end, c'est par ici. YOLO. Follow me. Layer. What? Ah, attends. Remonte-moi ma fameuse carte du Stronghold. C'est ça. Mon Stronghold, il est là-bas. Je sais pas pourquoi on le voit plus chargé correctement, mais je suis supposé d'avoir déjà exploré toutes ces zones-là. Bref, on va s'en débarrasser assez vite. La map, on va la garder là pour l'instant. En vrai. YOLO. Alors, je pense que mon jetpack allait un petit peu plus vite. À l'horizontale. À la verticale, certainement pas, mais à l'horizontale, je pense qu'il allait un petit peu plus vite. Oh, le petit bug de gêné, il y a du gold là-haut. Ah, le bug de visuel, pardon. Hop, allez. Alors, il y a des petites... Ouais. Interesting. Ici, elle reste d'un... Ouais, c'est un petit peu plus lent, je pense, que le jetpack. Faudrait que j'aille... Que j'aille buter des... Et tiens, d'ailleurs... Est-ce que pour faire Ocean Exploration... Ah, il faut que je fasse les générations. Voilà, on verra ça plus tard. On va le Warp Garden, puis le... Où je bute ça. Ouais, ça on le fera plus tard. Mais il faudra qu'on explore un petit... Comment ça s'appelle? Un petit temple. Allez, c'est long. Est loin, mais c'est la dernière fois qu'on le fait aussi, donc on s'en fout un peu. Je suis pas supposé avoir Night Vision, moi, à un moment donné. Alright. Alors ça, on peut l'acheter. Merci, bonsoir. Et on va se mettre un petit... J'ai fait plusieurs Under Dragon, moi. Ouais, au moins plusieurs. On va se mettre un petit... Alors, je vais juste le mettre... si je me trompe pas, il faut que je le mette à l'extérieur. Parce que si je refais des Ender Dragons, je vais me faire péter mon truc. Ce qui serait quand même problématique. J'ai a priori pas l'intention de faire d'en refaire d'autres, mais sait-on jamais. Donc là, je vais me mettre à l'extérieur. Parfait. Ensuite, bim, paf, ici. The end. Et paf. Et donc maintenant, j'ai mes 4 dimensions et je suis plus emmerdé. Donc là, si je veux retourner à la maison, paf, on se casse. Donc là, on a nos receivers, ça va bien. Arborel Extractor, on va le faire tout de suite. Ça nous permet de faire les... on va faire... fais-moi ça. Ça va nous permettre de faire les... d'avoir du stock en...
en rubber. En fait, il m'en faut 2 de plus en réalité. Alors, pas 66, mais juste 2. Voilà. Ça m'a permis d'en avoir 4. Jungle Wood, on va s'en faire un ici, parfait. Et on va. Une de Dirt. Il va me falloir des. Les pipes, on s'en fout. Je pense qu'avec une compact machine, on devrait avoir largement ce qu'il nous faut. Tiny, c'est peut-être trop tiny en réalité. Si je regarde combien ça fait. Ah, c'est un petit peu trop tiny. Tiny, c'est tiny. Trop petit. Ma dirt. Ok. Compact. Small. Small. Ça pourrait. Si je fais ça, je fais ça. YOLO, est-ce qu'il va pousser? S'il pousse, on est bon. Ça a l'air d'être hyper efficace. Hein. Bam. Non, trop petit. Ok. Donc, let's go out. Small, trop petit. On va prendre juste le cran au-dessus. Hop. Compact. Donc ça, c'est un 5. Et donc ça, ça devrait être suffisant alors. Ouais, ça c'est largement suffisant. D'après moi, ça devrait être suffisant. Voilà, impeccable. Ensuite, les arboreal extracteurs. Comment ils fonctionnent? Est-ce qu'il faut qu'ils visent les extracteurs? Ok, manifestement non. Ils ont l'air de fonctionner. Enfin, en tout cas, ils ont l'air de fonctionner très bien comme ça. Ensuite, nous, on a besoin de pipe. Alors, pas de item, fluide. Hop. Alors, oui, quoi. Je pense, comme c'était un peu plus. C'est un petit décalage, je suis pas sûr de savoir de quoi exactement tu parles, Mystique. Alors, les branches ici, parfait. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Est-ce que je sais faire des tanks? Non, je sais pas faire des tanks. Oh, ok. Alors déjà, ici, juste pour pas avoir de problème en quittant. Alors ma range ici. Il doit viser le bois. Ah ouais. Bah on va voir. On va regarder ce que ça donne. Faudra que je le chunk load aussi. D'ailleurs, en parlant de chunk load, est-ce que j'ai du stock moi en chunk? Non. J'ai 25 chunk de claim. C'est pas beau ça. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Ah, et ces trucs-là qui sont chunk load aussi. Ah, c'est ça. Ça, oui. Non, ils sont même pas chunk load, ceux-là. Alors lui, il est force load. Ah si, c'est ça. Lui, il est force load. Mais lui... Ok. Lui, il suffirait que j'utilise un de mes... Le truc, lui, si je lui dis chunk load, normalement ça devrait fonctionner.
Juste histoire de me stocker. D'ailleurs, ce truc-là, on va le... On va le bouger, on va le mettre à côté ici. Pour différencier, on va avoir d'un côté les machines à graines, puis on va avoir la machine à... Enfin, les autres machines de l'autre côté. On a dit tank. Non, c'est de ce côté-là, je suis con. Under tank. Under tank, ici. Ça et ça. Parfait. Tac. Tank. On va le mettre en blanc le latex, je pense que ce sera bien correct. Et on va aller au niveau des machines. C'est ici. Et c'est en dessous, évidemment. On va aller se positionner. Récupérer. Alors ça, c'est un singularity tank. Évidemment, nous, on va vouloir un autre chose qu'un singularity tank. Est-ce qu'il faut que je recommence? Non, il est en extraction. Ça, c'est parfait. Et donc moi, j'ai juste à retourner. D'ailleurs. Ah. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pipe. Lui, non, hop là. Un petit fluid pipe ici. Let's go. Point. Avec ma petite wrench qui est ici. Tiens, prends ça. Et nous, en attendant, on va se faire un tank. Jumbo tank. Ici, ça nous fera du stock. Tac. Et singularity tank, ça se fait comme ceci. Et basic tank, ça se fait comme ceci. Donc là, tac, parfait. Et on va pouvoir vite... Ah merde! Fais pas ça, bro. Qu'est-ce que tu fais? Parfait. Ça c'est bon, et ici on va ranger ça. Et est-ce que j'en ai d'autres qui traînent, qui servent à rien? Non, c'est bon. Donc ici, tank. Fais-moi un jumbo tank, let's go. Parfait, nous avons notre jumbo tank, et donc nous sommes prêts à céter nos affaires ici. Ça va se passer comme ceci. Jumbo tank. Et donc bah, pour finir très simplement le petit under chest, under tank ici avec une extraction, bam, et on peut même lui mettre un épaisse, on va lui mettre une petite basic upgrade juste pour qu'il keep up. Alors on devrait pas pomper tant que ça, mais c'est juste pour qu'il keep up correctement. Et lui, il est à 13.9 buckets. Il me semble que ça fonctionne. Hein. Parce que... Bon, on reviendra, on reviendra. Si ça marche pas, je ferai un... J'irai faire une, comment dire, une, un... retourner mes comment dire, mes... Les extracteurs, mais je pense que... Ah, attends, what? Et 50 milli buckets. Attends, oh. Ok, 14 points, c'est bon, ça fonctionne. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Ok, donc avec ça... On a fini l'arboréal extracteur, c'est parfait. On a notre latex forever, donc ça c'est cool. Donc notre objectif était d'aller se buter un wither. D'ailleurs on va se buter un wither pour finir la quête et pour voir à quel point on lui pète la face. Soul Sand. Hop, hop, 1, 2, 3, 4, parfait. Donc ici, the end, my friend. Le pupu, c'est là, il est présent. Ah, nice. Salut, Mr. Val. Comment vas-tu?
a bien bossé aujourd'hui. Bien récupéré de samedi aussi. Alors, on va aller faire mes muses. Tac. Voilà. Et on va attendre gentiment que ça se passe. Et bim! Et lui, il prend tellement des grosses claques que il y a rien qui se passe. Oh la vache! J'ai eu un cœur bleu, donc ça c'est cool, ça c'est normal. Le Withering Soul que j'ai eu, bon la Nether Star, ça c'est normal. 3 Supremium Essence, et ça, c'est badass. Parfait! Et bien maintenant, rentrons à la maison. Rien, 2 heures de casting. Ah oui, d'accord, le mec est pas là pour enfiler des perles, quoi. Nice. Alors, moi, le lendemain, j'ai fait quoi? J'ai rangé un peu mes affaires. Préparation de série cours, examen situé. Aujourd'hui? Ah ouais, t'as fait ton examen? Nice. Puis, est-ce que t'es un bon citoyen? The Nether, j'ai fini le Nether ici, on a complété. Non, ah, préparation à l'examen. Ah, nice. C'est quand tu t'as ta date pour l'examen? Alors ça, c'est pas... Brouillouille. Yeah, j'ai gagné Jump Boost. Et j'ai gagné en Knowledge of Death. On va tout gagner un point supplémentaire, bon. C'est fun. Soir t'emménages... Ah oui, c'est vrai. C'est quoi, c'est il te laisse l'appart? Je sais plus ce que tu m'avais dit. Jusqu'au 2 pour le passer en ligne. Ah, nice. Ah, c'est bon. Faut que je commence à regarder ça, moi. Tiens, faut que je l'ajoute dans ma... Tiens, hop. On va prendre la to-do list. On va commencer à acheter un œil parce que... alors, moi, j'ai quand même jusqu'à novembre, mais... citoyenneté. Voilà. YOLO. YOLO, ouais, exact. Bah, YOLO, non. En vrai, vaut mieux pas YOLO parce que ça coûte tellement cher les fucking papiers administratifs et tout ça que t'as pas envie de trop YOLO, en fait. Alors, on a fait ça. Moi, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est ça. Ces espèces de trucs là. Mon idée c'est d'avoir le Hank Shield qui nous permet d'avoir des trucs de fou. Mais avant ça, je voudrais le Lucky Horseshoe qui se fait avec le Resplendent Token. Est-ce que je peux me faire un Resplendent Token? Non, est-ce que je peux me faire ça? Est-ce que je peux me faire ça? Ah, j'ai pas de Black Dragon Scale? Oui, si j'en ai. Ça, je pourrais le faire. Non, j'ai pas de Cracked. Oh là là, non, ok, donc on va plutôt se le faire de cette manière là. C'est-à-dire Emerald. Emerald, fais-moi une vingtaine. Tac, voilà. Tac, tac. Emerald. Bim. Voilà, j'ai une vingtaine de ce truc-là. Et ça me permet d'avoir le token ici. Est-ce que j'ai besoin de plusieurs Resplendent Tokens ou est-ce que ça fonctionne comme ça? Non, il est utilisé. Hein. Je me suis foiré sur le code de la route une fois. Je me. C'est clair. Le mec trop serein, puis en fait il se prend une gamelle. Alors, on va virer l'immunité au hunger, parce qu'en vrai pour l'instant je m'en fous. Je vais mettre le horseshoe, comme ça je vais plus jamais avoir mal. J'écoutais pas quoi vous avez parlé. Ah bah oui, c'est correct. Alors, on a fini le lucky horseshoe. Ensuite, on va se faire d'autres respawn tokens. Il m'en faut un ici. Et ça, je peux le faire ici. Ça, c'est bon. Il me faut ensuite le Cobalt Shield. Ah, le Cobalt Shield, il va me demander un token. Donc, 2 tokens. 1, 2. 1 pour les Sunglasses. Blackstone Clay. Ok. On va se faire des lunettes. Voilà. Pour ne pas être aveuglé. Alright. Donc, les Sunglasses, c'est bon. Ça c'est bon. Ensuite le Cobalt Shield. On va se faire un shield. Ah, t'es sérieux? Hop, voilà. Shield.
Bim. Mais qu'est-ce que c'est que ce Bowser là? Pourquoi tu veux pas? Ah non, mais c'est ça. Donne-moi, voilà, merci. Ensuite. Ça c'est quoi? C'est un Block of Diamond. Bon, bah, Block of Diamond, c'est easy ça, non? Block. Fais-moi Block of Diamond, merci. Cobalt Shield. There we go. Ça c'est bon. Alors attends, hop, ça c'est bon. Obsidian Shield, il se fait dans l'Anvil. L'Anvil, c'est par ici. Paf. Voilà. Donc l'Obsidian Shield, il est ici. Il nous reste ça. Ça à avoir, ok. Est-ce que j'en ai besoin d'un autre comme ça? Non, j'ai tout le reste. Et j'ai tout le reste. Donc le, ça c'est bon. Il me reste à avoir le Ring of Overclocking. Et le Ring of Overclocking, ça se récupère avec des strays. Les strays, on va les trouver dans l'end. Dans des structures de glace qui spawnent dans l'end. Alors, je me suis trompé de bouton. C'était pas là qu'il fallait aller. C'était celui-là. Ça, on peut le garder. Et ça, on peut le garder pour l'instant. C'est les trucs qu'on mettra un peu plus tard pour nous. Donc, and let's go. Et maintenant, regardons notre environnement. A priori, que dalle. Alors, j'ai besoin d'une Ender Pearl. J'ai besoin d'une Ender Pearl, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. On va juste se déplacer vite fait jusqu'au portail que voici. Pour avoir l'opportunité de se déplacer. Ok. Alors, ici, on va augmenter. Alors, pas le son. Video settings. On va se mettre un gros rendu. Alors, le gros rendu, qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh bien, il va nous faire un peu mal au FPS. Mais il va nous permettre, entre autres, de repérer les endroits où on n'a pas été encore, c'est-à-dire pas ici. Ici on est... Ah, j'ai pas fait. Les têtes de dragon, ça c'est cool. On veut les têtes de dragon, on aime ça les têtes de dragon. Alors à vrai, soit plus simple. Merci. Ok, ça c'est bon. Et est-ce que j'ai besoin d'autre chose? En vrai, le reste je m'en fiche un peu. J'imagine. Bonne nuit. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, en vrai, ouais. Enhance Reach. Ouais, ça, on s'en fout. En vrai. Tout ça, on peut virer. Et ce qu'on veut, en réalité... Ce qu'on veut, en réalité, c'est des... donc... Des petites structures de glace. Alors, j'ai l'impression qu'on serait peut-être mieux avec notre jetpack pour le coup. Parce que le jetpack, il va quand même un peu plus vite. Alors, on va essayer de pas faire le cacou. Voilà. On va enlever ça ici et on va mettre le bousin. Ah ouais, on va quand même un peu plus vite avec le jetpack. Ça va être plus sympa pour explorer l'aine. Ceci dit... Ça se peut qu'on aille un peu trop vite aussi pour le... Si je le réduis un petit peu, juste pour laisser le temps au modpack de faire le tour. Est-ce que ça se... What? Allô, je peux... Pourquoi tu veux pas me laisser regarder ma map, Jean-Marc, là? Donc c'est une structure bleue qui est quand même assez visible. Ça ressemble à une petite pyramide. C'est de la Pact Ice ou Blue Ice, je sais plus. Enfin, bref. Non mais ça c'est une blague, hein. Dude. Hop.
On va essayer d'aller tout droit, puis de regarder un peu ce que ça donne. Ou est-ce qu'on essaye de procéder méthodiquement? Alors ça se trouve, c'est pas easy easy. Je sais qu'il y en a qui ont galéré, mais ça doit se trouver. Ça, ça roule. Je pourrais être français. Qu'est-ce que j'ai pas compris. Je vais pour être français. Est-ce que c'est celui qu'on vient de voir ou c'est un autre? Non, c'est un autre. Cool. On gagne une autre tête de dragon. Alors les têtes de dragon, elles nous servaient idéalement, enfin initialement, c'était surtout pour les augmentes de Tinker. Mais en vrai, maintenant, on n'a plus vraiment besoin des augmentes de Tinker puisque nous avons quand même une armure bien badass, enfin une armure puis une épée badass, ce qui fait que. Et j'étais en train d'utiliser mon Fly Créa. Ah, si tu veux avoir la nationalité française, mystique. On essaye d'avoir toujours à portée un bout d'île. En essayant quand même de se diriger vers le sud. Ça nous aidera. Ouais, tout à fait, d'accord. T'es quelle nationalité, toi, si c'est pas indiscret. Je suis emmerdé, ça marche plus. Ici. Canadien. Ah, bah oui. Ah oui. Nice. Ouais, il va falloir que je regarde. Là. À partir de novembre, j'aurai le droit de la demander, en théorie. Donc, il faut que je regarde, parce que si je peux avoir assez... Bah, en fait, il faudra que je regarde aussi, parce que comme ça coûte cher, faut que je budgétise un peu tout ce bordel. Ça part ça, les Stray... J'ai bien une idée, mais je pense que le mieux et le plus... Enfin, le plus simple, en réalité, c'est que... C'est vraiment d'avoir... Alors ça, c'est une zone que j'ai déjà explorée. Faut repérer, mais... Bah, c'est parce que j'ai déjà fait l'end en partie, hein. Normalement, c'est normal. Comment on est nous? Eh bien, on n'en sait rien parce que évidemment, pourquoi? Je sais pas pourquoi la map est merde à ce point-là. Est-ce que c'est une affaire de contrôle? M. Bah non. Vraiment bizarre, hein, ce qui s'est passé avec cette affaire-là. Là. Enfin, ce qui se passe, en fait. Si je fais ça... Attends, what? Aucune idée de c'est quoi cette affaire-là. Allez, Sand City, ça y en a un. Si je travaille en France, j'aurai la citoyenneté française. Alors, pour être citoyen français,
La dernière fois que j'ai regardé ça, c'était il y a longtemps. Et il me semble qu'il fallait travailler 5 ans en France, ou en tout cas quelque chose qui ressemblait à 5 ans en France pour pouvoir demander la nationalité. Ouais. En vrai, t'as pas vraiment envie. En ce moment, t'as pas envie d'aller en France. Mais... Allez, comment dire. La situation en France, c'est pas idéale d'après moi. En tout cas, pas grand chose à envier ici en tout genre. Et en fait, au Canada, c'est pas. Enfin, pour Canada, c'est 3 ans de résidence permanente qu'ils te demandent. C'est-à-dire que t'auras beau avoir t'auras beau avoir passé. Tu vois, moi, je suis à presque 10 ans de présence. Ah, c'est ça! Je suis à presque 10 ans de présence sur le territoire canadien. Et tiens donc. Ah oui, c'est ça. Je suis à presque 10 ans de présence sur le territoire canadien et... comment dire... J'ai que... un des... Enfin... J'ai 2 sur les 10... J'ai 2 ans sur les 10 qui sont comptabilisés pour la citoyenneté. Avant ça, que dalle. Alors, est-ce que je vais obtenir ce qui m'intéresse rapidement? Alors là, on a des spawners à Stray, on n'a plus qu'à leur péter la gueule en attendant d'avoir ce qui nous intéresse. Alors ce qui nous intéresse, on se rappelle, c'est un petit ring. Alors tout ça, on peut le mettre là. Les gars, yes, il y en a plein ici. Il y en a ici. Il y en a ici. Pour l'instant, que dalle. Rien de ce qu'on veut, en tout cas. Hop. Pour l'instant, rien. Ouais, à cause du Covid, ouais. Bah non, en fait, en réalité, c'est pas à cause du Covid que mes années sont comptabilisées. C'est parce qu'il faut que ce soit une résidence permanente. Et en fait, moi... et t'as le droit jusqu'à un an parmi ton temps de résidence temporaire. Et moi, sur le temps que j'ai passé au Canada, j'ai seulement un an de résidence permanente actuellement, parce que j'ai eu ma résidence, en fait, presque 2 ans maintenant, mais j'ai eu ma résidence en novembre, donc pas novembre passé, mais novembre précédent. Et je vais pouvoir demander ma citoyenneté à partir de là. Je crois, il faudrait que je revérifie d'ailleurs. J'ai un doute maintenant. J'ai l'impression que c'était pas si loin. Ah, et voilà. On a notre ring. On se casse. Ici. 7. Bim. Parfait. Ça, c'est rangé. Ça, c'est rangé. Ça, je garde. Ça, je vire. Donc, ce ring, il se fait avec ça. Pas de problème. Ça, je l'ai. Il est ici. Ah, dis donc. Je prends du dégât quand même. Ah, bah, je vais mettre Mending. Je vais mettre Mending. Tiens donc, je pensais pas. Ça. Ouais, bah oui, on va mettre Mending. Hop, Mending. Pardon. Chaque Mending. Mending. Alors, 1, 2, 3, 4. L'épée, par contre, elle a que dalle. Mais l'armure, elle prend du dégât. D'accord. Bon, bah, pas de problème. Pas de problème. On va ça taper. Mi-québécois, mi-français, ouais. Bah, ouais, c'est vers ça que je m'en vais. Hein. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que ce serait l'idée. Ok. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, Hank Charm. Paf. Et donc, Hank Shield. Il se fait avec donc, l'Obsidian Shield. Et de l'XP. Beaucoup d'XP. C'est vrai que c'est pratique parce que t'as accès, grâce à ça, t'as accès
à deux grosses zones, à savoir la zone nord-américaine, puisqu'avec un passeport canadien, tu es quand même vachement plus à l'aise qu'un passeport français pour aller aux États-Unis, par exemple. Sans parler de juste vivre au Canada. Et avec un passeport français, eh bien, tu as accès à l'Union européenne, qui en soi est quand même super large en réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi je ne vois plus mon armure? Premium. Ah oui, d'accord, je les ai tous rangés. Très bien. Juste le gars n'avait pas rangé correctement son armure. Parfait. Donc là, j'ai mon armure. Et là, j'ai un super truc de la mort. Parce qu'avec ça, avec ce shield maintenant, donc le horseshoe, je peux le foutre ailleurs, c'est ça. Ça, c'est mon backpack. Le shield me permet donc de me protéger partiellement contre le feu, me protège contre le knockback et beaucoup de negative effects qui sont maintenant hors de problème. On peut foutre ça ici, ça va être très bien. Et voilà, donc ça et ça c'est fait. Il nous reste, mine de rien, on aura pas mal avancé. D'ailleurs, ça me fait penser que... Voilà, comme ça j'ai plus de problème d'armure. Alright. Alors, maintenant, ces deux-là. Ces deux-là, Mob Crusher, Mob Slaughter Factory, Mob Slaughter Factory et Mob Crusher. Ça, l'idée, c'est que je pourrais... avec le Mob Crusher, je peux faire du Mob Essence, mais est-ce que j'ai envie de faire du Mob Essence en vrai? Est-ce que je m'en fous du Mob Essence? Alors, ouais. Je pourrais récupérer du Mob Essence. Alors, ok. Mob Essence. Attends, Essence. Ça, là. Essence industrielle forgoing. Ouais. Ouais. Et on a dit... C'est le duplicateur, je crois. C'est lui qui me demande du Mob Essence, hein, je crois. Hop, là. Forgoing, attends. Est-ce que j'ai... Industrial Forgoing, est-ce qu'on a le book? Writer's Edition, oh yeah! Est-ce que je l'ai? Oui! Alors, ressources production. Non, pas du tout. Non, pas du tout, on recommence, c'est comme ça qu'il faut aller. Miscellaneous. Mob? Non, pas, non, pas du tout. Pas du tout. Infinity Chamber, Stasis, non. Husbandry, Generators. Non. With the Builder, Mob Duplicator. Ouais, c'est ça. Voilà, ça, ça prend de l'essence. Et avec un Mob Imprisonment Tool, je peux le dupliquer, etc., etc., etc. Mais ça m'intéresse pas vraiment. En revanche, il y a quelque chose qui va m'intéresser. Ah non, c'est le clic gauche. Ouais, c'est ça. En revanche, il y a quelque chose qui va m'intéresser à faire, ça va être... Alors déjà, il y a toutes les graines. Ça... Ah, est-ce qu'on commencerait pas à s'occuper des graines d'abord? Attends, Mob Slaughter Factory. En vrai. Contrôle-clic. Alors, attends. Hop. C'est ici. Mob Slaughter Factory. Hop. Une, deux... Une, deux. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de faire? Non. Hein. Contrôle clic. Start. Parfait. Et ici. Let's go. Avec le mob slaughter. Ah là là. Voilà, avec le Mob Slaughter Factory, on va pouvoir récolter du Pink Slime, et ça, c'est très important. Et le Pink Slime, il va fonctionner... Il va fonctionner... Enfin, on va le récolter plus facilement avec... Pas avec une moto. Avec des animaux passifs. Et les animaux passifs, on va pouvoir les récupérer avec un Golden Egg qui se trouve ici. Le Golden Egg, il se fait avec le Nutritious Chicken Feed...
Ça, une beetroot. Je voudrais une beetroot. Let's go. Et le reste, c'est de l'essence. Bucket. Est-ce que j'ai des buckets? Ou j'ai des buckets de lait. Ouais. On va... Je sais pas d'où ils viennent. Ah oui, si, c'est les buckets de... C'est les buckets de... Est-ce que je peux les... Hein? Tac, merci. En vrai, attends, j'en ai un. J'ai un petit, petit basic truc. Tac, tac, merci. Tac, voilà. Comme ça, si par hasard ça peut m'être utile à un moment donné, bah j'aurai un peu plus de tank. Ok, les buckets, on va... l'XP c'est ici. Hop. 5x5, ça me paraît très suffisant en réalité. Pif, paf. Et hop, ça c'est bon. Ça. Ça c'est bon. Et ça, bah, il suffit d'aller faire popper un poulet. Éclater la phase d'un poulet par ici. Oh! Je les ai tous butés d'un coup! Alors ça, c'était trop génial. Alors c'est quoi qui... Comment c'est possible que tu pop, toi? F7. Ah, bah oui, hein. Bah oui, torche. Évidemment. Alors, bim, et est-ce que j'ai du pouletto? Parce que pouletto... On va... Parfait, et ensuite, seed... C'est des 6 que je donne au poulet. Allez. Oups. Ah, petite musique. Nice. Alors le Golden Egg, il me permet d'avoir de la... je sais plus comment elle s'appelle, Dirt. Delightful Dirt. Delightful Dirt. Qui nous permet de... d'avoir des, un spawn de mobs passifs assez monstrueux en réalité. Donc avec ça... On va se faire une autre machine, enfin on va se prendre une autre compact machine. Alors on a celle-là qui est large. En vrai au-dessus de 5x5 ça me paraît suffisant. Donc on peut regarder, celle-là elle est en 7x7. Ce qui nous amènerait. Si je prends de la dirt. Ah non, c'est 9x9 en fait celle-là, elle est même plus grande que ce que je pensais. Ceci dit, ça revient au même. Et paf, merci. Ah que bonjour Kirbendo, comment vas-tu? Alors ici avec deux d'espace, on devrait être correct. Crack. On peut essayer de prendre de la polish, hein, ça va être bien mieux. Ici, ça va être bon. En vrai, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, ça va être ici. Juste mettre ça ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on peut même se l'avancer d'un cran. Histoire que ce soit moins gros et que ça nous prenne moins de problèmes. En vrai, on n'a pas besoin de tant que ça, hein, c'est ça.
Et ici. Yep. Tac. Attends, il y a un truc qui s'appelle glace, ouais c'est ça, qui me permet de faire de la luminous glace. Bim. Ça nous permettra d'avoir un peu de lumière et le reste, en vrai le reste, on s'en fiche un peu. Est-ce que on l'accrocherait pas? On va l'approcher un tout petit peu. C'est ça. Juste pour. Alors nice. Et ici, eh bien, ça va fonctionner. Alors, attends, si on a dit qu'on voulait de la... Bah, en vrai, non, j'ai pas besoin de luminous à l'arrière, en réalité. J'ai pas besoin de luminous à l'arrière, j'ai besoin... Ça, c'est bon. Ça, c'était pas nécessaire. Tac, 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 tac. En vrai, tout ça, c'est pas nécessaire. Voilà, et ici, on va juste les mettre comme ça, heureux. Hop là, parfait. Et ici, on va monter, voilà, 3. 3, c'est suffisant, de toute façon, on n'a pas besoin de plus. Il nous faut un peu plus de black, de polish blackstone. Tac, tac. Si j'ai besoin d'autre chose plus tard, je prendrai autre chose plus tard, mais... ici, j'ai pas besoin de... Ah ouais, c'est un peu bas. Hein. C'est un peu bas. On en convient, c'est un peu bas. On va remonter d'un cran. Juste d'un cran, c'est juste pour être à l'aise dans notre bousin, là. On soit pas emmerdé. Tac. Clac, allez. Ça, c'est bon. Tac. Hop, les... ça c'est bon. Ça c'est bon. Ici, clac, clac, merci. Ici, light. Petite room light. Allez, go pour les petites room light. Alors, bim, alors, attends, ça c'est le coin, ça c'est ça, et ça ici. Voilà. Tac. Un, ici. Parfait. Et dans le fond derrière, on va juste s'en mettre un. Ici. Un ici, parfait. Parfait, ça c'est tout bon. On a le Slaughter Factory qui va venir se caler ici. On va avoir un point. Parfait. Parfait, ici... un 5x5. Ouais, j'ai mon 5x5 qui va être ici en réalité. 1, 2, 4, 5, pan. Voilà. Et le reste devrait être suffisant. Et elle, eh bien, il va lui falloir un 1, 2, 3. 1, 2, 3 de chaque côté. Plus 3, plus 3. Alors, plus 3, plus 3. Alors, Adam. Alors, c'est... ça. Merde, on recommence. Plus 3. Hop, hop. Et de la redstone. 1, 2. Parfait. La machine, c'est par ici. Hop. Tac, tac, tac. Allez, envoie donc. Parfait. Et est-ce qu'on veut... Ah non, il me l'a envoyé. Adon. Plus 3. Ça, c'est un plus 2, ouais, c'est ça. Et on veut le efficiency et le speed. Ceux-là, on va essayer de les...
essayer de les automatiser par exemple. Hop, hop. Tac. Alors évidemment, ça c'est comme ça. Ça c'est non. Et ça c'est ok. Et donc ça c'est celui-ci. Hop. Ok. Donc ici, si je vais dans ma machine à chamber, ici, paf. Et paf, si je te demande. Donc mes Zadon. Fais-moi ici. Et fais-moi ici. Ah, il manque du glass. Ah, tu sais pas faire du glass. Ça c'est bon. Et maintenant. Adon. Paf, paf. C'est juste pour qu'il nous les claque assez vite. Hop. Et on veut des tanks, on veut deux under tanks. Alors pas aller comme ça, on veut des under tanks. Paf, on veut deux tanks qui vont être de la couleur pink. Pink dye. Hop, paf. Hop, on va y arriver. Merci. Merci. Ok, ça je peux ranger. Ça je peux ranger ici. Ça je peux ranger. Alors attends, parce que là j'en ai plein là qui me pose problème ça. Ça, j'ai un plug. Donc le plug, ça veut dire que ici, si je fais mon M, non, que je fais mon FTB ici, claim chunk, ça je peux le virer. Non. Voilà, donc ça c'est à moi, mais je l'ai plus, il est plus chunk load. Ok. Et normalement, il devrait fonctionner quand même parce que j'ai le chunk load ici et je suis dans mon chunk. Ok. Ça veut dire que maintenant, celui-ci en particulier. Ah oui. Alors il faut que je me casse. Pousse-toi. Ah, sinon tu meurs. Hein. En fait, tu vas mourir. Pareil. Dans notre souffrance. Yeah, bro. Ok. Et là, on a des pink slime. Ok, on veut un tank. On veut le jumbo tank ici. On veut ici lui dire pink slime. West. West. Push. Lui. Hop, 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 hop. Nulle part. Et ça va être correct. C'est-à-dire qu'ici, j'ai du pink slime. Et ensuite, paf, un petit fluide. Pif avec... il pèse. Est-ce que je peux faire une petite... Oh, improved. Pff, en vrai, on va juste faire une basic. Je pense que ce sera largement suffisant. Ça, paf, avec une petite wrench ici. Parfait. Donc on rosé ici, je vais pouvoir bientôt me faire la prochaine. Bon, alors peut-être que c'est pas assez. Bah ça pourrait, en vrai je m'en fous, j'ai pas besoin d'avoir énormément du pink slime. Ça va être juste un petit peu quand j'en avoir besoin, mais pour l'instant c'est pas... Et puis en plus, ça m'en fait suffisamment. Ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, ça va être se friter gentiment avec d'autres. On va se faire un gros Delightful Dirt à un moment donné. Il y a combien de mods environ? Bonne question. J'ai quitté. Pourquoi j'ai quitté? Bah ça va me permettre de voir. Je sais même pas s'ils sont notés. Mod. Voilà, il y a tout ça comme mod. Genre. Il y a beaucoup de modes.
Et je vais retourner dans mon petit monde. C'est quand même un modpack qui prend un peu de ressources. Il est pas si demandant, mais il prend un peu de ressources. Ok. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça, moi? Ah, la tristitude. Ok. Ok, alors ici on voit juste, ça c'est par défaut, c'est juste pour que ça roule, puisque comme je suis pas sur serveur nécessairement. Ça c'est bien, puis ce qu'on fera éventuellement c'est qu'on va se refaire des golden trucs pour se faire ce qu'il nous faut de... de cœur rouge en réalité. Alors ça, bim. Alors, pas du tout. Ici, paf, latex. Et donc ici, eh bien, latex, on a dit connecteur. Paf. Voilà. Et ça, on le mettra éventuellement. Quand on aura notre autre machine, on mettra la deuxième machine ici, puis ça fonctionnera. Appeler. Avec ça, on devrait être pas mal. Ok. Ça, c'est bon. C'est déjà automatisé. Ça, c'est réglé. Mob Crusher, en vrai, je m'en fous. Je vais pas le faire. Il nous resterait à compléter les cœurs. En fait, si on complète les cœurs... Ah ouais, donc là, il faut que je les referme tous, c'est ça. Merci. Hop, hop, hop. Ah non, pas celui-là. On restera à Orange Glad. Voilà. Si on se fait les cœurs... Donc les cœurs, pour rappel, il m'en manque... il m'en manque... eh bien, 22. Combien j'ai de cœur rouge? Red Heart, j'en ai deux. Bon, je peux déjà me faire les deux jaunes. Red Heart. Hop, allez. Paf. Ah, ah, pardon. Hop, hop. Ah, t'es pas sérieux? Ouh, pité. Alors, c'est quoi cette affaire là? Merci. Hop, est-ce que je fais ça? Tac, tac. Voilà, j'en ai marre de faire ces trucs-là. Hop, paf, red. Ah mais non, mais c'est parce qu'il faut faire ça, il faut que je fasse ça. C'est ça qu'il fallait que je fasse surtout. Hop, ok. Et ça, comme ceci. Merci. Et donc là, red heart truc. Tac, smear. Voilà, pardon, et évidemment, il me faut des yellow. Attends, usage, tac, 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 parfait. Golden apple, tu vas apprendre à les faire juste pour éviter qu'on ait des problèmes. Tac, merci. Et donc, heart. Si je fais des yellow heart, je t'en demande deux. Parfait. Et donc... Bim. Là on va être bon. Et il va nous manquer quoi? Donc les verts et les bleus. Donc il va nous manquer une vingtaine de cœurs rouges. Donc pour pouvoir faire le reste. Bim. Le rendu à des cœurs verts, c'est quand même pas mal. Hein. Donc ce qui nous manque, ou bien on y va comme des gros sacs avec les eggs.
ou bien on se refait une petite session comment dire Delightful Dirt qu'on va pouvoir répandre à quelque part avant de se barrer. Ah, la Delightful Dirt, je peux aller la foutre dans la Twilight. Hop là. Golden. Hop, c'est ça que je veux. Pif, merci. On peut même s'en refaire un. Allez, bim, 2. On va aller se faire du poulet. Hein. Happy birthday, Coco. Et ici. Voilà, j'ai fait plein de poulets. Seed. Paf. Ok, là c'est minimum. Tiens, get out. 2, 1. Allez, point. Alright, alors on va aller dans la Twilight. Twilight ça spawn? Oui, ça spawn. Oh, est-ce que je vais avoir du. Au pire, c'est pas grave. Au pire, c'est pas trop grave. Si on n'a pas ce qu'on veut, au pire, c'est pas trop grave. On va. Bon, j'ai mon portail, ok, parfait. On va juste descendre. On va éviter les Duglans qui sont ici, genre lui. Voilà, dégage. Torche, please. Hop, les torches ici. Crève. Moi aussi, crève. On va juste se faire un peu d'espace où on va pas trop se faire emmerder. Histoire. Correct pour tout le monde. La tête de cœur, ça devrait se faire quand même assez bien d'après moi. Ok, alors hop, ça se barre, ça se barre. Alors un golden egg, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et venez donc vous faire péter la gueule pour mon plus grand plaisir. Alors par contre, évidemment, la différence c'est que ils se barrent tous en courant. Ouais, on va se faire un petit changement de plan. Petit changement de plan, c'est Dirt, parfait. Oui, c'est ça, voilà, merci. Voilà. Hop. Pousse-toi.
Ok, ensuite ma petite wand et on va essayer de faire des choses parce que là, ça n'avance pas. Alors, dirty, si, let's go. Ah! Est-ce qu'il y a un slash wandoops? Non, il n'y a pas de slash wandoops. Ça, c'est pas grave. Et très bien. Alors, ça, on peut virer. Et on essaye de faire un truc qui a de l'allure. Ok, maintenant, on est correct. Très bien. Avec maintenant le petit. Torche ici, torche ici, torche ici et torche là, parfait. Voilà, donc maintenant si je vous pète la face, ça va être beaucoup plus facile. Alors j'espère que je peux, dans la Twilight, je peux avoir des cœurs, ça se peut que non en fait hein. En fait, je vois pas trop pourquoi je pourrais pas, parce que en vrai. Parce qu'en vrai, ça reste des... Ah, c'est pas des... Bah, c'est des passifs. C'est des passifs. On n'a pas dit que c'était des vanilla qu'il fallait. Par contre, la Twilight, hein, c'est pas drôle. Instant, la récolte est nulle à chier. Ok, c'est nul, ça marche pas. On va changer de stratégie. On prend notre Delightful Dirt, on vire cette cochonnerie là et on se casse. C'est juste par acquis de conscience hein, mais... Juste pour pas que ce soit trop dégueulasse. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire, hein, mais... Tadam. Hop, ah, mais non. Charge, ouais, c'est ça. Hop, 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 let's go. Alors on rentre à la maison, on va se faire, on va regarder les compact machines. Alors compact machine, ça c'est une giant. Giant ça pourrait être intéressant. Si je l'ouvre et que je rentre dedans, nous sommes dans un biome plein. Parfait, on va ressortir, on va aller se claquer. En fait, on va, si c'est ça, golden. Ça. On va retourner au niveau de l'XP farm qui est ici. Enfin, l'XP farm, l'XP. C'est ici. On prend nos petits buckets. Voilà. Tac. Tac. Hop. Alors, combien elle fait la compact? La diamond, elle fait. Fait. Je sais pas. Ah super, j'adore. J'adore quand il me dit rien. Hop, hop. Et hop, hop. Allez. Deux comme ça. Hop, hop. Et trois. Alors,
Alors, vous êtes encore des bébés, vous? C'est quoi cette affaire? Je vous donne 3. Ah, j'ai pu. Bone meal. Bam, 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 merci. Ah bon. C'est pas ça que je voulais cliquer. On va récupérer un petit peu de seeds pour pouvoir faire pousser nos poulets. Alors, on a 64, ouais, c'est un peu mieux, c'est pas fou, mais c'est un peu mieux. Alors toi, t'es un gros déjà. Toi, t'es un gros, merci. Toi, 5 secondes. Boing. Ah, dans le gros, on va le virer tout de suite. Mais en fait, je suis en train de me faire chier, est-ce que ça marche sur les petits? Non, ça marche pas sur les petits, ok, on est d'accord. Alright, c'est toi qui prends. Allez, tiens, prenez un petit peu tous les deux. Parfait. Voilà, les autres. Hop, voilà. Ça, c'est out, ça, c'est out, ça, c'est out, ça, c'est out. Parfait, merci. On a 3 comme ça. Et on peut remonter. Remonter ici. Tout ça pour ça, en vrai, c'est un peu la loose, mais écoutez. Hein, ça ira bien. Dirt. Tac. Oui, alors non. Probablement pas mal plus que ça en fait. Hop. Alors. Et. Paf. Ok, donc ici. Ça où c'est vous? Oh la vache, ouh, ça va être sympa le Slaughterhouse. Ok, let's go. Alors, Nader, du balai. En fait, j'étais vachement vicieux avec ça. Ça, on peut virer les arrows, on peut virer la wrench, torche, on vire. Ok, let's go. On va essayer d'avoir en temps et lieu nos petits... Ne pas regarder, il n'y a aucun mal qui est fait aux animaux ici. Hein. Alors, toujours pas de cœur immédiatement, c'est pas encore une grande réussite. Après, on a dit que je pourrais mettre un mob basher si je voulais. Ça permettrait de récupérer. Je pourrais me faire une... Wouf. Pas s'emmerder. Alors, toujours pas. Alors, toujours pas de cœur, ça, c'est quand même...
quand même assez terrible ce qui se passe. En train de faire un massacre et on ne trouve pas de cœur rouge pour le moment. Ah, le voilà. Le premier cœur rouge. Avec un peu de bol. Avec un peu de bol, on va en récupérer plus par la suite. Voilà, on est déjà à 3. On a donc un peu inversé la tendance. Je sais pas si le Sweeping Edge, ceux qui meurent avec le Sweeping Edge comptent dans le comment ça s'appelle, le looting. Ceci dit, pour l'instant, je suis bien. Je passe à 6. C'est un peu plus efficace sur les derniers. Là. Alright. Alors, un autre cœur, 7ème, let's go. Plus que 13. Où il est ? 152, on va avoir largement le temps de finir ça. On est à 8. Hop. J'ai eu un compresse là-bas qui va nous faire plaisir. Probablement pas comme j'aurais voulu. D'après moi, ça n'a pas fonctionné. Non. 9 cœurs, allez, plus que 11. Allez, allez. Alors, on commence à être archi plein. Tac, tac, merci. Le reste. On a 12 cœurs, allez. Ça avance bien. Cœur, allez, on y est. Doucement mais sûrement. Cœur, allez. C'est pas le truc le plus passionnant qu'on a fait dans la vie, hein. Seizième, allez. 17. Alright. Ça s'en vient. Ça s'en vient bien.
18, allez. Tiens, on aura farmé de l'XP et tout plein de bouffe. Ok. Allez, 19, 20, hop, voilà, fini le massacre. Ok, allez, on se casse. Alors, avec mes vainqueurs, let's go. On peut faire ça, donc, avec ça. Heart, non, oups, errat. Heart. Alors après le jaune, c'est l'hiver. L'hiver, ça se fait comme ceci. Dégâts tir. J'en ai 7. Ouh, dégâts tir, ça peut être avec le Cage Entity Drops. J'en ai 7, c'est pas fou. Sinon, ça se fait avec le Sieve. Avec la Soul Sand. Pas ça, on va y aller dans le Mob Cage, hein, je pense. Ghast. On va aller chercher un Ghast, puis on va lui... Il pétait la gueule, hein, c'est ça, Ghast Guard. Donc lui 50% et lui 50% également. Je pense qu'on va aller se faire ça. Attends, what? Et c'est ça, ça c'est le vert. Et donc pour ça, il nous faut la tier et après le bleu. Le bleu, il se fait comme ceci. Et ça, on va se faire comme ceci. Avec ceci. Avec gold, est-ce que je sais faire des gold blocks? Oui, je sais faire des gold blocks, parfait. Et donc, ici on a dit celle-là dans l'induction smelter. Ah, pas bon. Enchanted golden apple, c'est ça. Et ça dans le infusion smelter, induction smelter, c'est ça. Donc golden apple. Ah, je sais pas faire un crate of apple. Apple. Apple crate. Okay. Try again. C'est le Apple Crate que j'ai fait. Allez, tiens, prends un Apple Crate. Ça sera très bien. Bon. Et Apple, maintenant. Ah, j'ai pas assez de pommes. On devrait être correct à partir de maintenant. Donc, Golden Apple. Et paf, ok, on a un Enchanted Golden Apple. Parfait, il nous faut aller dans la Twilight. Est-ce que j'ai mis DNA Sampler? C'est lui qu'il me faut. On va aller... là, je crois que c'est là, hein, Fire Swamp. Ah non, c'est là. Vers le nord. Le nord à droite. YOLO.
On va d'ailleurs en profiter pour monter un petit peu, puisque nous savons que l'Urghast, enfin la zone de l'Urghast est en hauteur, en très hauteur en réalité. On est à quel endroit nous? Juste pour être certain là. Ok, donc là il faut vraiment que je prenne du diagonal. Ok, là ça y est, je repère la zone. Et ça va bien se passer. Ok, là on est à la bonne hauteur. Il me faut un carnet de garde. Et on va être correct. C'est hit, hein. C'est juste hit, ouais, c'est ça. Voilà, carnet de garde. Parfait. Parfait. Ah, j'ai pas de... Est-ce que j'ai du tower? Ah si, je dois en avoir du tower. Oh, j'ai de la chance, j'en ai une. Tower de plank, parfait. Ici. Oh, bah c'est les abeilles qu'on va virer. Les abeilles, ça va bien aller. Ok, let's go. Le petit ça, le petit ça, et le petit bim. Let's go, parfait. Et attends, hop. Ça, on a dit. Ça, il n'y a pas de modifier et ça, il n'y a pas de modifier. Donc c'est 50% de chance. That's it, that's all. Et c'est plutôt lent. Ceci dit, avec ça, déjà, on peut avancer sur Green Heart. Donc là, c'est ça, là, il va nous manquer 3. Donc, tac, parfait. On peut s'en faire 7. Donc en vrai, il va m'en manquer 13 exactement. Tac, hop. Voilà. Le DNA. DNA, on peut le virer. Ça, on peut le ranger ici. Qu'est-ce qu'on veut? Ah, c'est ça. The vanishing. Note. Alors, avec ceci. Si on regarde un peu notre affaire ici. Hop là. Ensuite, on va regarder nos ingots. Et on va essayer de regarder. Alors, Ultimate Ingot. Crystal Team. Enhanced. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il me faut pour faire le Ultimate Ingot. Et pour faire la... ça, on va... considérer ces trucs-là. Je crois que... Ok, voilà, donc là on a plein de choses. Et en fait, pour que ça se passe bien, je vais prendre une micro-pause, sinon on va pas y arriver.
Et de retour, let's go. Alright, ah voilà, là on est beaucoup plus serein. Alors, on a tout ça. Maintenant, on va regarder nos essences. Alors, on a essence de stone. Est-ce qu'on a de la stone? Oui. Oui, on a de la stone. Stone, c'est bon. Wood. Wood, c'est bon. Zinc. Zinc, je suis pas mal sûr qu'on l'a. Oui. Seed singularity. Ouais, ça va être easy. Mob singularity. Ça va être easy. Mechanical singularity. Ça va se faire. Constantan. On en a. Et d'ailleurs, le constantan, je devrais l'avoir. Tiens, d'ailleurs, il faut que je vérifie. Oui, il ne nous demande pas de faire deux fois la même chose. On est d'accord. Biotite. Le biotite, je ne l'ai pas. Dust singularity. Est-ce que j'ai de la dust? De la dust, j'en ai beaucoup, beaucoup. C'est bien correct. Iron, ça c'est bon. Et de l'iron. C'est ça. Invar. Invar. Il est ici, tout va bien. Glowstone, ça c'est bon. Emerald, ça c'est bon. Electrum, ça c'est bon. Diamond, ça c'est bon. Copper, ça c'est bon. Coal, je ne l'ai pas fait. Bronze, ça c'est bon. Aluminium. Aluminium. Oui, aluminium, c'est bon. Lapis, c'est bon. LED. LED, c'est bon aussi. Nickel. Nickel, ça doit être pas mal nickel, justement. Bon. Où ça, pas de nickel? Comment ça, pas de nickel? Il doit avoir une couleur qu'il n'a pas habituellement. Ah bon? Attends. Nickel. Ah! Alors du nickel, je n'ai pas la graine, mais j'en ai plein. On va le garder. On va le garder parce qu'on a dit... Alors, platinum, platinum. Platinum, il n'y a pas l'air d'être là. J'en ai plein, mais j'ai pas la graine. Donc, on va garder. Redstone, ça c'est correct. On a la graine, on en a plein. Silver, je viens de le voir. Steel. Steel, il est ici. Tin, c'est bon. Uranium, évidemment. L'uranium, on en a plein. On a de l'uranium et on a du yellorium, ce qui fait qu'on peut s'en faire à foison. Le lithium, on n'en a pas encore. Refined glowstone, je n'ai pas ici. Refined obsidian, j'en ai. Attends, je l'ai pas, le refined glowstone. Non, je n'ai pas, c'est ça. Platinum, ah, platinum, on l'a deux fois, dis donc. Ah, tu vois. Ok. Lumium. Lumium, c'est bon. Signalum, c'est bon. King Slime, c'est pas bon encore. Slime Steel, c'est pas bon encore. Rose Gold, c'est pas bon. Pig Iron, c'est pas bon. Queen Slime. Silicon, non. Cyanite. Non. Iridium. Iridium, je n'en ai pas encore, donc iridium, non. Fiery, Night Metal, Ironwood, Red Alloy, Red Alloy, je sais en faire du Red Alloy par exemple. On va regarder ça dans un instant. Hepatizen, non. Manulin, non plus. Dash, non. Enderium, oui.
Star Infused Netherite, ça c'est non. Insanium, non. Ah, je sais pas encore faire les blocs d'Insanium, ça faudra qu'on regarde ça. Black Iron, non. Redstone Ingot, non. Ender Ingot. Innocent Ender, Crystal Tin, puis The Ultimate Ingot, il est ici. Ok. Alors, Seed. Alors, on a dit. Alors déjà avant ça, on va descendre jusqu'ici pour regarder les seeds qui nous restent ici. Alors, on a Biotite. Ouais. Biotite, c'est bon. Coal. Coal, c'est bon. Nickel. Alors, nickel. C'est bon. Lithium. En fait, lithium. Lithium, il n'y a pas de seeds. On va le garder ici. Refined Glowstone. On l'a. Platinum. Platinum. C'est bon. Pink Slime. Pink Slime. Attends. Pink. Pink Slime. Il n'y a pas de seed pour le Pink Slime. Donc on va le garder aussi. Slime Steel. Slime Steel, on l'a pas. Donc, pardon. Et je l'ai pas ici, hein, le Slime Steel, on est d'accord. Non, c'est ça. Donc ça, on peut le rajouter et on va l'enlever d'ici. Rose Gold. Alors, Rose Gold, on l'a pas encore et on peut la faire. Donc, let's go. Pig Iron. Pig Iron. Pig Iron, même chose. Queen Slime. Queen Slime. On va le faire aussi. On va le virer. Silicone, non. Cyanide, il est ici. Iridium. Il est ici. J'ai pas vu Titanium. C'est fou ça. Fiery. Ça, je suis pas mal certain que. On en a un, c'est ça. Night Metal. Night Metal. Ironwood. Red Alloy. Red Alloy, c'est déjà fait. Je pense qu'en plus, c'est déjà fait. Red Alloy. C'est ça. Red Alloy, c'est bon. Il est déjà automatisé. Hepatizen. 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 Manuline. Manuline, je pense que je l'ai. Non, je l'ai pas fait. Ah, j'ai pas fait. J'ai pas la manuline. Ah, bah non. Ok. Manuline. Ah, donc, manuline, il est ici. Dashingot, non. Star Infused, Netherite. Ça, je pense que j'ai appris à le faire. Non, pas du tout. Donc ça, ça va être à faire. L'insignium aussi. Black Iron. Black Iron. Ça, on est d'accord, ça se fait pas facilement. Redstone Ingot. Redstone Ingot, ça va être facile. Ender Ingot. Ça va être facile. Enhanced Ender Ingot. Il me faut l'Extended Crafting. Enfin, il faut l'Ender Crafting. Attends. Enhanced, comment il s'appelle? Enhanced. Non, il se fait pas autrement, donc bah, ça va être à faire aussi. Crystal Tin. C'est du Elite Crafting qui se fait comme ça, ça c'est correct, et voilà. Et le Ultimate Ingot, on peut le virer pour l'instant. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut régler d'ores et déjà? On peut régler le Redstone Ingot. Parfait. Redstone Ingot, c'est où? Ender Ingot. Ender Ingot. C'est bon. Star Infused Ingot. C'est bon. Pink Slime. C'est pas encore bon, mais ça va être bon à un moment donné. Et Lithium. Lithium, c'est la même merde parce que pour faire du Lithium, il faut que j'aille
Prendre de la lithium dust. La lithium dust, elle se fait avec le chemical crystallizer qui se fait avec du lithium, qui se fait avec du flowing liquid, enfin du liquide lithium, qui lui se fait avec la thermal evaporation control, enfin les tours là, qui se fait avec du brine, qui se fait avec de l'eau. Donc il me faut deux tours comme ça pour pouvoir faire ça. Ok, pas de problème. Pink slime, ok. Silicon dash, insenium, machin. Ah, insenium, je peux le faire. Insenium ingot, c'est easy. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et attends, on va remonter d'un cran. Ici, tout cela, c'est ce que je veux. Lapis, titanium et graphite. Graphite, il est pas dans le. Ah non, il sert à rien le graphite. Le lapis. Lapis, j'en ai 3.3000. Le lapis. C'est bien. Titanium ingot. Et lui, il sert pas. Si, le titanium, il sert à faire du black iron, non? Black iron. Du titanium, ah, là, c'est ça. Ah, ça prend le titanium. Donc, on va faire le titanium aussi. Titanium, tu viens ici aussi. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on en a 9 ici. Plus tout ça à faire en vrai. On va bosser. On va prendre ça. On va regarder combien on a. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9. Lesquels on peut faire? Manuline facile. Manuline. 1, 2, 3, 4. Parfait. Hépatisane, je n'en ai pas. Est-ce que j'en ai. Alors là j'ai de l'iron, ce qui est pas ce qu'on veut. Et j'ai pas d'hépatisane. Oh c'est triste. Hépatisane. On est d'accord, hépatisane ça se fait. 2 de copper, 1 de cobalt et 1 d'opsy égale 2 de hépatisane. Donc on a dit. BSI. Donc. 2 d'obsidienne, 4 de copper, 2 de cobalt. Ça, usage, ça me sert à quoi le cobalt? À rien en vrai, hein, c'est chiant. C'est fou ça. Ok, let's go. Alors, pas le manuline, ça et ça. Et bien sûr, quand ce sera cuit, on se mettra bien avec ça. Parfait, hépatisane, Ironwood. 1, 2, 3, 4, Ironwood, c'est bon. Night Metal, je sais que je peux pas le faire. Fury, comment je fais ça? Smithing Table, j'ai combien de Fury? 1, 2, 3, 4... ça et iron et hop tac ça c'est bon oh là là c'est la loose le mec ne fait pas attention à ce qu'il fait alors il recommence. Est-ce qu'on a un bucket keeper? Oui, on a un bucket keeper. Hop. Parfait. Snare 21, on n'est pas trop mal. Ok. C'est
sérieux? Des partisans, let's go. Ok. Et 4 des partisans. Et ok. Queen Slime. Comment je fais du Queen Slime? Dans l'Induction Smelter, facile. Ah bah ça va aller dans l'Induction Smelter, justement. Alors, Queen Slime, on a dit. Un gold, un cobalt, un magma cream. 1, 2. 2 gold. Donc 2 cobalt et gold. Voilà. Induction smelter 2 2 2, let's go. Slime. Le queen slime, ça c'est bon. Ensuite pig iron. Pig iron, c'est un ingot, un slime ball de blood. Moi je fais un slime ball de blood. Je peux faire cuire. Ouais, c'est ça, de la rotten flesh qui va me faire 50 000 buckets. Une slime ball, c'est 250. Donc 5 rotten flesh, ça me fait ça. Et un ingot de clé et ça. Et ça, ça me fait 2 ingots. Donc il me faut 10 de rotten flesh. Clé. D'autres clés. Et on a dit, j'ai pas retenu le dernier. Iron. Un ingot. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Iron. Parfait. Ouais, c'est ça. Di. Alors faire refaire la même merde, moi. Hein. Allez, goal pig iron. Pig iron, rose gold. Je l'ai pas fait encore. Rose gold, je me demande si j'en ai pas déjà. Rose. Ah, j'en ai juste 2. Institut absolu. Quand je fais de la rose gold, c'est 3 copper, 1 gold. Ok. Holo. 3 copper, 1 gold. Donc, hop, 1, 2, 3. Et 1 gold. Let's go. 3 copper, 1 gold. Rose. Ça, c'est bon. Slime steel. Sky slime. What? Comment je fais du Sky Slime? Ah bah c'est du bleu, d'accord. Sky Slime Ball. Et ok. Et donc moi ce qu'il me faut. 1, 1 et 1. Ça me fait 2 ingots. Ok. Donc blue Sky Slime. 2 comme ça. 2 d'iron. Et on a dit. C'est fou hein, de pas retenir là. Seared Stone. On a le Pig Iron. Sky Slime. Pink Slime, ça viendra après. Dash, Insanium. Insanium, on peut le faire. Start, let's go. Parfait. Black Iron.
Ah mais je... ouais, l'insignia, je m'en fous en fait, je suis con. Tout ça, il n'y a pas de graines, donc non, c'est ça, j'ai fait ma part ici. Et on a fait, on a juste les patisons. Alors 1, 2, il nous restera juste le Night Metal. Ici on a 5, 5. 3, 3, 4, bah ok, on va les prendre dans l'ordre. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Slime Steel, let's go. Un, deux, trois. Trois fois quatre de supremium. Voilà. Huit et cinq, treize. Ça, c'est bon. Ensuite, un... 2, 3 de tertium. Trois de tertium. 1, 2, 3. 3 de imperium. Au moins, c'était précis. On a besoin d'exactement ça. Et on a notre 4 de slime. Ok. Est-ce qu'on va avoir le temps? Ça va être un petit peu short, mais on devrait avoir le temps quand même. Alors, 4 d'Imperium et on s'en va... Non, on peut y aller avec le Manuline pour commencer. Let's go. Ensuite, donc ça c'est bon. Hepatizen. Hepatizen, c'est bon. Queen Slime. Un, deux, trois et quatre. Tac, tac, parfait. Ensuite... Attends, Queen Slime, c'est bon. Ensuite, Ironwood. Ironwood, c'est du tertium. Pif. Et je viens de me penser que j'ai pas fait le... Je pourrais pas faire le Night Metal parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. Ceci dit, on se rattrapera un peu plus tard. Ironwood, Pig Iron et Slime Steel. Donc Slime Steel. Hop. Et Pig Iron. Et ensuite, il nous reste ces deux-là. 4 et 1, 2, 3, 4, pardon. Et Rose Gold, et on va être pas mal. Il nous restera juste le Night Metal pour avoir tout ce dont on a besoin pour faire nos Singularity puis nos Ultimate Ingots. Donc ça, on va pouvoir les laisser... rouler éventuellement, donc dans l'immédiat ça va être trop tard, hein. Il est 19h30 pile poil, donc ça va pas être le temps de le faire, mais tout ça je vais les mettre, en fait je vais les mettre dans mon sac. Tac. Voilà, alors ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 et 5, 10. 10 et 5, 15, 17. 17, donc là, ce serait l'équivalent de 2 encore. Mmh. On va y réfléchir fortement à ce truc-là. Ça, on peut virer. Chut, hop là. Et il me reste donc la Night Metal à faire, plus ces trucs là à récupérer éventuellement d'une façon ou d'une autre, mais ouais, on aura bien avancé avec ça. Ça c'est tout bon. Oups. Ici ça continue à rouler sans problème. Ici
On envoie super fort. Il reste 44 000 de bones. Là, on est quand même pas mal. Insanium, on en a 102. Ça veut dire qu'on va pouvoir largement se refaire. Ce que j'envisage de faire, peut-être, c'est changer le setup et de faire un setup un peu à la ML2G. Pas pour tous, juste pour celui qui est pas complet, là, par exemple. Par exemple, lui. D'ailleurs, où est-ce qu'on est juste avant de terminer, juste dernier truc, 10, 4, 10, 10, 10, 10, 3, ça sera pas suffisant, on garde. Ça attendra la prochaine fois, tant pis. Ouais, ça fait juste ici, ça c'est pas fait, je vais peut-être le changer complètement, faire un setup exactement comme la FML, ça va être plus, ça sera peut-être plus efficace. Je le ferai descendre d'un cran donc, et on pourra faire fonctionner ça sans trop de difficultés. Et après, si j'en ai encore besoin, ce qui me paraît peu probable, on verra ça, peut-être de faire une autre machine, on verra ça. En attendant, ouh, j'ai un beau shield dans le dos, j'avais même pas vu. En attendant, eh bien, on va s'arrêter là pour ce stream. On n'a pas chômé. On a refait notre setup armure et épée. Là, on est quand même pas mal équipé. On a presque terminé l'affaire des cœurs en plus. Donc ça, prochain stream, ça va être réglé. On a préparé toutes les seeds qu'on pouvait... Enfin, on a presque fait toutes les seeds et tous les ingots nécessaires pour les singularity et pour les... l'ultimate ingot, donc ça va être plutôt pas mal. On a fait un peu d'automatisation, bref, on n'a pas chômé. On se retrouve pour le prochain stream, ça va être mercredi aux heures habituelles, donc 16h30 heure de France, 20h jusqu'à 19h30, j'ai dit n'importe quoi, 16h30 heure de Québec, 22h30 heure de France. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine, tchou tchou.